Alors, Végétopia est un défi végétarien durant lequel nous invitons le public à devenir végétarien et nous organisons des activités pour les aider dans le processus. Alors, nous voulons promouvoir les bienfaits du végétarisme à une plus grande échelle. Donc, d'abord, nous voulons favoriser la transmission d'informations à notre collège et puis de permettre aux étudiants de s'inscrire dans les activités à coût réduit. Et finalement, nous voulons ramasser des fonds pour l'œuvre léger, en particulièrement un projet qui s'appelle AgroSalut, parce qu'il promouvoit le développement durable. Et parce que c'est en lien avec ce que nous, on veut atteindre. Donc, comment je dirais, supporter l'agriculture durable et organique. J'ai l'impression que j'ai grandi beaucoup. Donc, c'est un vrai changement pour moi de savoir qui j'étais et de se rendre compte que j'ai des défauts, que j'ai des qualités que je ne connaissais pas avant, donc c'est une vraie découverte de soi dans ce sens-là. Parce que ça nous donne, pas l'impression, mais ça nous permet de se sentir puissante face à un monde qui est hors de contrôle, surtout pour les jeunes qui se rendent compte peu à peu qu'on ne peut rien changer face aux catastrophes naturelles et sociaux que nous devons affronter dans le futur. Donc, ça me permet de savoir que c'est possible de faire une différence. Alors, même si cette différence est pas nécessairement énorme, voilà. Je dirais que j'ai beaucoup apprécié les résultats qu'a apporté les ateliers culinaires. Et puis le souper bénéfice. Alors, les commentaires des gens, comment ils ont apprécié les activités qui ont donné un sens à mon projet. Et c'est cette partie-là qui est la plus importante. Donc, de savoir que j'ai fait ça pour les autres et que ça leur a apporté quelque chose de nouveau et que ils ont bénéficié de quelque chose. Voilà. Ça a rendu ce projet possible, puis c'est la chose la plus importante, disons, qui a fait que tout ça a pu arriver à moi et aux autres. Donc, sans le financement, le projet ne pourra exister. Pour être franche, je n'ai pas eu d'autre financement à part celui de l'œuvre léger. Alors, voilà.